Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Mes produits finis. Est-ce que je rachète ou est-ce que je rachète pas? J'en ai une tonne. Oh, une tonne, faut pas exagérer quand même. J'en ai quand même pas mal. On commence. On commence par le Stiledge. Alors ça, ce sont des bombes. Des bombes, oui, des bombes. Des aérosols avec de l'eau thermale. Celle-ci était très riche en zinc, je crois, mais bon, non, je rachèterai pas. Avène est plus facile à se procurer, donc je reste avec mon eau d'Avène. Donc non, je la rachèterai pas. Voilà, je viens de terminer. Aussi, je prends ça n'importe comment parce que j'en ai pas mal, hein. Le Balea Body Lotion Summer Blue. Alors ça, c'est une amie qui me l'a envoyé et c'est vrai que je les adore. Ils sont très très sympas. C'est Balea, c'est une marque allemande. Ils font des choses super. En plus, le packaging, moi, je trouve qu'il est tout frais, tout mignon, tout printanier. Donc, ce sont des choses, si vous êtes dans cette région, allez-y, ce sont vraiment d'excellents produits. Donc oui, je pourrais racheter. Ah, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé de Zosio Scharfskopf. Non, c'est pas pour moi ça. On dit que c'est une laque qui empêche quand l'humidité fait un casque. Ah bah oui, mais ça fait tellement un casque que j'avais les cheveux complètement plombés, moi. J'avais un chapeau sur la tête. Non, non, non. Et puis après, pour démêler, c'était l'horreur. Alors ça, je ne l'offrirai même pas à ma meilleure, à ma pire ennemie, parce que je trouve pas ça agréable. Mais bon, ça dépend des cheveux, hein, franchement. En tout cas. Si ça intéresse quelqu'un, ne me souvenez plus au point de vue ennemi, j'ai rien dit. Mais voilà, je pourrais l'envoyer. Moi, mes cheveux, ça ne leur convient pas. Excellent, excellent crème. Alors ça, c'est la Blue Therapy de chez Biotherm. C'est de l'anti-âge, c'est une excellente crème. Il y a la crème aussi. Donc, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Parce que j'ai qu'une peau et j'en utilise déjà beaucoup. Mais mon mari l'utilise et il est très très content du sérum ainsi que de la. Alors ce produit, vous allez, je suppose, le deviner, à base d'algues. La couleur bleue, moi je trouve que ça fait ressembler à la mer. C'est super. En tout cas, il est conçu pour avoir pour régler trois problèmes de l'anti-âge, les taches, l'éclat. Et effectivement, les taches et l'éclat, les rides et l'hydratation. Écoutez, c'est une crème qui est effectivement très soyeuse. Il m'en reste plus, donc je ne peux pas vous la montrer. Très soyeuse, très très agréable. Même le sérum, il est très agréable. Il est entre crémeux, il en reste un tout petit peu à mon mari, entre crémeux et aqueux. Il est très facile à appliquer. Les hommes aiment beaucoup ce genre de sérum parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas sur le visage. Ça ne fait pas brillant. Ça fait pas crème. Donc, ils aiment bien tous les sérums, que ce soit des sérums pour hommes ou pour femmes, hein, c'est pareil. Donc, ils aiment beaucoup ça. Donc, vous pouvez leur offrir. Au point de vue hydratation, c'est super. Les hommes aussi ont tendance à avoir des taches, donc c'est parfait. Hein, la crème, ils vont peut-être moins aimer, à moins d'avoir une peau très sèche. Mais si vous avez une peau même mixte, la crème, elle est vraiment très, 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 très bien. Ce sont des bons produits anti-âge. Donc, oui, je pourrais racheter ces produits-là. Alors, une crème, moi j'ai moins aimé, c'est l'Isostructure de Filorga. J'ai un peu de mal, moi, avec Filorga. Pourtant, c'est une excellente crème. Alors, pourquoi j'ai du mal? Bah, je ne sais pas. Quelquefois, vous avez des peaux comme ça qui préfèrent une texture à une autre. Il y a des éléments qui rentrent dans une crème et qui sont mieux acceptés par votre peau que par qu'autre chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, comme j'aime moins, je rachèterai pas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui adorent Filorga et c'est une excellente marque. Et aussi des produits médecine esthétique qui sont quand même au top. Éclaé, ce sont les ampoules éclat que vous utilisez avant une sortie, avant la communion de vos petits-enfants, enfin pour être en super beauté. Eh bien, elle est bien. Elle est, vous savez, c'est ces ampoules coup d'éclat et tout ça, qui marchent très très bien. On n'en met qu'une moitié. Quand ils disent une, ça va être trop, à moins d'avoir une peau hyper hyper déshydratée. Elle est très bien, vraiment, c'est super. On peut y additionner aussi une goutte dans son fond de teint quand il est un petit peu trop pâteux ou vous trouvez qu'il n'est pas assez fluide.
C'est très bien aussi. Par contre, moi, ce que je déplore, c'est que ces petites ampoules-là devraient pouvoir être refermées parce que, on les utilise pas une fois. Donc ça, c'est le problème de toutes ces petites ampoules-là. Ils veulent nous faire dépenser toute l'ampoule et puis c'est trop, une moitié, ça serait suffisant. Je m'étais acheté ça pour changer parce que je trouvais que le produit était beaucoup moins cher que la marque Nuxe, que j'adore. Et c'est de chez Nocibé. Ben, sincèrement, je l'aime pas du tout. Ça ne tient pas les paillettes, je trouve. Et puis le produit est très gras. Non, non, c'est pas. Je rachèterai pas. J'aime pas. Le masque Nuxe, le Bio Nuxe à l'orange. Wow, je suis folle de ce produit-là. Il me reste plus rien du tout, du tout, du tout. Il faut effectivement que je le rachète parce que je ne ferai pas l'été sans ce masque. Les eaux toilettes maintenant. Alors, on les garde parce que vous savez que chez Sephora, vous les ramenez, vous avez moins 20%. Eh, c'est intéressant, moins 20%. Donc, moi, je les garde. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les garder, mais j'en garde au moins une. Donc, Opium de Saint Laurent pour mon homme. Il adore et j'adore. Comme ça, c'est parfait. Vétiver de chez Guerlain pour toujours mon homme. Il adore, j'adore, c'est parfait aussi. Sisley Eau du Soir, j'en suis folle. Mais pendant cette saison, je le reprendrai au mois de septembre. Voilà, donc ça, c'est dit, c'est fait. Je ne vous parle pas de Night Repair, il est fini, il n'y a plus rien du tout, mais il est déjà racheté. C'est un excellent sérum, et vous le savez, qui ressource, qui rebooste les cellules pendant la nuit. C'est un sérum de nuit qui relance un petit peu le mécanisme qui a tendance en vieillissant à se ralentir. Mais attendez, dès 30 ans, vous pouvez commencer. Moi, ça fait 40 ans. Non, 35. 35. Oh non, pas 35. J'ai commencé vers 35, donc c'est un petit peu moins quand même. Voilà. Ensuite, bah voilà, moi je n'aime pas les huiles, quoi. N'importe quelle huile, l'huile de beauté, Kae, certainement très bien, mais moi, j'aime pas les huiles, ma peau n'aime pas les huiles et même mes cheveux, ils n'aiment pas trop les huiles. Ça les rend plats. Donc, à la poubelle. Je mets dans n'importe quel sens. Alors, Hot and Go, L'Oréal, Studio. Alors, je m'étais acheté ça dans un grand magasin. Non, c'est pas pour moi, ça non plus. C'est pas pour mes cheveux. Bah oui, j'avais pas fait des cours encore. Non, c'est pas pour mes cheveux. C'est pour protéger le cheveu quand on fait le. Mais oui, bah je n'aime pas. Je préfère 100 fois celui-là. Voilà. Ça, moi, pour moi, c'est pas bien. Ça donne pas spécialement de volume. Non, non, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Mais je vais pas le jeter, je vais le donner. Si, voilà, je le mets de côté. Oh, qu'est-ce que j'ai comme côté aussi? Alors ça, c'est le one, unique one de Revlon. C'est pour les pointes des cheveux. C'est pour quand on a les cheveux un petit peu secs, on en met un petit peu et on réhydrate un petit peu ces cheveux-là. Non, moi, j'avais bien aimé ce produit. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je le rachèterais? J'en ai tellement d'autres à essayer. Hein. Non, je ne rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres à essayer. Mais sinon, oui, c'est un bon produit. Je peux vous le conseiller sans problème. Il y a aussi ça, la CC Cream Caviar. Ça, c'était de chez Alterna, je crois. Alterna plutôt. Alterna. Eh bien, ça, je pourrais vous dire que je suis. C'est à base de caviar. Moi, je préfère le manger, le caviar. Hein. Mais moi, j'aime pas trop le caviar non plus, non. Mais c'est un protecteur pour les cheveux. Eh ben, moi, je suis pompe, allez, je sais pas quoi vous dire. J'ai pas vu de. J'en ai utilisé beaucoup. J'ai franchement pas vu une amélioration. Non, non. Non. Au contraire, je trouve qu'il plombe mon cheveu. Il plombe. Par contre, avant de le jeter, parce que j'ai presque fini, mais je ne finirai pas. Je pense qu'il va falloir que je note, parce que je me souvienne qu'il ne faut pas que je rachète ce produit-là. Moi, je vous incite aussi, quand vous avez un produit qui ne vous va pas, à le noter sur un petit cahier, parce que sinon, on oublie, et ça peut arriver qu'on le rachète, et c'est quand même dommage, quoi. Donc, non, moi, ça, je ne rachèterai pas. Mais c'est pour mes cheveux. Moi, ça m'a rien apporté. J'avais tendance à avoir le cheveu qui était plus plombé et pas brillant. Donc, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Nature Efficience Hey Effect. Je l'ai déjà. Il est déjà dans mon armoire à beauté. Il est très bien.
Il y a un tout petit peu, alors, de Botox. Vous allez me dire, le Botox, quand on l'éjecte pas, ça fait quoi? Bah non, mais ça décrispe un petit peu quand même. Donc, dans beaucoup de produits, il y en a, mais là, il y a une dose qui est bien définie. Et c'est très bien aussi à appliquer en tout dernier pour justement redonner un petit coup de défatiguer le regard. Et dans la journée, vous pouvez en retapoter aussi quand vous sentez que votre regard recommence un petit peu à se fatiguer. Non, c'est un excellent produit. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, ce que je rachèterai pas, alors ça je le rachète puisque je l'ai déjà, c'est celui-là. Alors je ne sais pas quoi veut dire du Marc Jacob. Je n'ai pas le pinceau. Bon, il fait 45 euros le pinceau. Donc je ne l'aurai pas. Je n'ai pas non plus la base qu'on met avant. Mais s'il faut prendre pour qu'un fond de teint soit bien une base et un pinceau, 40, 80, 95, 95 plus 40, ça me fait cher pour avoir un joli teint. Je suis sûre que je peux arriver à sauver mon teint avec autre chose que ce produit. Donc je sais pas, je suis très embêtée. Je resserrerai encore, mais je suis vraiment embêtée pour vous donner cet avis parce que je suis pas une folle, quoi. Ça me plaît pas trop. Alors, hey, essence vitale, Marie-Core, vital, essentiel. Ça, c'est pour mettre. Alors, il y a Clarins qui vient d'en sortir pour rebooster une crème. Alors moi, ça n'a rien reboosté du tout. J'ai vu aucune amélioration. J'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien senti. Et ben voilà, ces produits-là qui n'apportent rien à la peau au bout de 28 jours, ça, je dis, moi, je rachèterai pas. Donc, vraiment. La base, Too Faced. Alors, celle-là, je ne l'ai pas entièrement finie. C'était dans une boîte à beauté. Je ne l'ai pas achetée. Non, c'était dans une palette de maquillage. Mais elle, depuis le début, elle me fait ou un peu liquide. Alors, je l'aime bien pourtant, elle est très jolie. Mais il y a des moments, là maintenant, je ne peux plus la mettre, quoi. Parce que je sens qu'elle est pas au top de sa forme. Il y a du liquide et il y a de la crème. Elle est dissociée. C'est avarié. Donc, ça va à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, ça, Estée Lauder, ça, ce sont le New Dimension. Vous savez, ce sont ces produits qui vont combler des rides, qui vont faire que la ride va pas se voir. Eh bien, moi, je l'ai testé, je l'ai retesté, testé. Mon Dieu, ça ne fait rien du tout à mes rides. Vous allez me dire, il y a un produit comme ça qui existe en France, on voit que les rides sont bons. Ouais, bon, bah, de toute façon, moi, j'y crois pas trop, hein. On sait que si ça savait, toutes les marques le reprendraient et ça coûterait la peau des fesses. Donc, non, je n'y crois pas. Tous ces produits blur, parce que ce sont des produits blur, BLUR, eh bien, moi, je trouve que c'est pas la peine de dépenser des sous avec. Donc, moi, hein, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une brume parfumée Pura Bali. Je pense jamais à la mettre. Je pense jamais à la mettre. Non, mes cheveux, ça sent bon quand on les lave souvent. Donc ben voilà. Donc voilà. Et puis ça c'est quoi? Ça c'était un démêlant Florane. Oui, il est bien. Il est bien ce démêlant bio. Il est très bien. Il était dans ma boîte à beauté. Et ça, ben, je l'ai mis de côté parce que je vais le donner pour ma petite fille. Donc ça va tout de suite dans les choses ainsi que la brume. On verra si ça intéresse mes nanas. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Il me reste plus qu'un produit, c'est ceci. Urban Decay pour les sourcils. C'est une petite boîte où vous avez en dessous, est très difficile à ouvrir. Enfin, moi, je la trouve difficile à ouvrir. Voilà. Vous avez une glace, vous avez le pinceau, une brosse à épiler et une mini une pince à épiler. Je vous assure, il ne faut même pas la mettre parce qu'il faut vraiment. Et il y a deux couleurs et la cire. Voilà, ça c'est la cire, il y a deux couleurs. Eh bien, moi, je les trouve trop foncées, ces couleurs-là. Pour moi, elles sont trop foncées. Donc, je ne les mets pas. J'ai eu celui de L'Oréal avec des couleurs plus claires, donc c'est bien. Quand c'est trop foncé, c'est pas beau les sourcils. Bon, ben voilà. Hein. Voilà, c'est. J'ai une bonne cadence, hein. Mais voilà, c'est fini. Je vais pouvoir alléger mon tiroir. C'est parfait, parfait, parfait. Voilà, bah écoutez, dites-moi vous votre achat du mois, si vous en regrettez un, ou si vous en avez un de préférence.
Voilà, bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.